maman Julie. Donc aujourd'hui, on clean et on organise nos affaires. Donc aujourd'hui, c'est pluvieux dehors, c'est une journée, oui! Bonjour! Alice apprend à parler bonjour! Donc aujourd'hui, je vais cleaner et organiser mon garde-manger. Ça fait un petit bout que je l'ai fait et sérieux, c'est le désordre total. Donc on va faire ça ensemble. Mais avant tout, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour ne rien manquer. Sachez aussi que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Puis sur ce, ben... Donc pour commencer, je vais vous montrer de quoi ça a l'air présentement. Puis on va faire ça ensemble avec bébé Alice. Oui! Oui! On va faire ça avec Alice. Donc, on s'est mis du Michael Bublé. On s'est fait un bon café au lait avec une croustille de riz soufflé au caramel avec un peu de beurre de pinot et des bananes. Oui, je me garde. Puis, on s'en va là-dedans. Donc, je vous montre ça. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le bordel. Donc, il faut vraiment que je replace tout ça là, plus intelligemment et tout. Ça n'a pas de bon sens, ça s'est accumulé. Fait que ça, c'est mon première partie de mon garde-manger. Ensuite, j'ai cette partie-là ici. Donc, ça aussi, là j'avais commencé il y a peu de temps à réorganiser mes pots maçons. Mais encore là, j'en ai quelques-uns encore à étiqueter. Fait que là-dessus, en tout cas, ça fait déjà une partie de fait. Donc, voici ma petite collation. Puis ça, ben. C'est mon craquelin de riz soufflé au caramel, beurre de peanut et banane. Donc, pour réorganiser le tout, j'ai vraiment sorti tout mon stock pour placer les choses. Donc, des étiquettes comme ça. J'ai plein de sortes de petits paniers blancs, parce que je veux que ce soit blanc. J'ai aussi des petites tablettes comme ça, qui sait, peut-être que ça va servir. Puis, j'ai des pots comme ça pour mes pâtes. Puis, j'ai la petite machine Pitoche, parce que je veux... étiqueter certaines choses dans ce sens. Donc, on se lance là-dessus avec du bon Michael Bublé. Thank you.
pas toujours été facile. Il a fallu donner bonjour. Il a fallu donner de la nourriture à Popoun. Hein? Il a fallu nourrir la petite Popoun entre-temps. Ouais, la Popoun avait faim. Hein? Si vous avez un petit bibi, vous savez ce que c'est. On peut pas tout faire en 30 minutes. Boum! Non, ça a pris une bonne partie de l'après-midi. Il est rendu 4h30, donc on va pouvoir vous montrer le résultat final juste avant que papa arrive de travailler. Hein? Stop! Il fait encore des bebelles? Tu fais-tu des bebelles, mon amour? Tu fais-tu des bebelles? Bye! Oh! Trop hâte! Bon, fait qu'on vous montre ça. Donc, je sais, c'est peut-être pas genre la plus belle méthode, mes plats sont pas tous pareils, mais que voulez-vous, à un moment donné, il faut garder nos sous pour autre chose. Fait que voici le résultat. Donc, première rangée, j'ai essayé de mettre vraiment tous les plats qui étaient de la même hauteur ensemble. Je les ai tous étiquetés avec le pitoche. Puis j'ai mis un panier ici de craquelin. Ensuite, j'ai mis les autres plats qui étaient plus hauts, tout ensemble. Je les ai tous étiquetés aussi. J'ai mis un autre panier, celui-là de compote et fruits. Puis j'ai mis trois bacs en bas. Bon, c'est sûr qu'il reste un peu d'espace en arrière, mais quand même, au moins, mon chum pourra pas tout fucker la patente, là. Tout est bien indiqué sur les étiquettes. Fait que ça, c'est ce qui fait le tour de la première étagère. Puis ensuite, ici, ça n'a peut-être pas de l'air rangé, mais ça l'est pas mal plus. Fait que j'ai fini d'étiqueter toutes mes pots maçons. Il m'en restait quelques-uns à étiqueter. Donc, j'en ai rajouté aussi. J'ai fini de les étiqueter. Ensuite, la deuxième rangée, j'ai vraiment fait ça. Dans le fond, il a fallu que je reconfigure un peu mes étagères. Là. J'ai vraiment espacé celle-là du milieu pour être capable de mettre une petite tablette dans le fond en arrière. Donc, j'ai mis toutes mes cannes ici. J'ai essayé de laisser de la place aussi éventuellement pour d'autres cannes. Puis, sur ma petite tablette, j'ai mis des choses qu'on ne sert pas souvent. Fait que, tu sais, le tofu soyeux, les sardines à mon chum, tu sais, la mélasse, les sauces et ça. Puis ici, ben ça, ça me tentait vraiment de le mettre. Je voulais vraiment l'utiliser. Fait que j'ai mis ce qu'on utilise le plus le matin. Mon Coffee Mate, le beurre de peanut craft. Oui, je sais. J'adore le beurre de peanut craft. Je suis pas capable. Le beurre de peanut naturel, ça... pas bon dans ma bouche. Puis, ensuite, dernière rangée qui était toutes nos vitamines. Moi, j'ai mis mes vitamines dans un petit panier. Fait que tout est là. Mon chum, lui, il aime pas les paniers. Fait que j'y ai vraiment mis ce qu'il utilisait le plus sur le bord, puis ce qu'il utilisait pas, je l'ai mis dans le fond. Fait que ça fait le tour. C'est ce que ça donne. Je pense que c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Qu'est-ce que t'en dis, Popoun? T'es-tu d'accord? Donc, sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à faire un thumbs up. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne pour ne rien manquer pour la suite des choses. Puis, j'espère que ça vous a inspiré peut-être à vous organiser dans votre garde-manger ou autre. Puis sur ce, ben, on se dit à une prochaine. Bye! Ciao! On dit-tu baba? On dit-tu baba? On dit-tu baba? Non, elle veut prendre la caméra, c'est pas pareil ça.